Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la puissance et de la force du pouvoir de résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils puissant de Dieu. Frère, longtemps tu es dans le blocage. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le temps est arrivé où le Seigneur va venir apporter le déblocage dans ta vie. Au nom de Jésus, toi qui entends ce message, longtemps, depuis ton enfance, tu es lié à des choses négatives dans ta vie. Pour ne même pas que tu réussisses, pour ne même pas que tu sois stable. Mais laisse-moi te dire, au travers de cette vidéo aujourd'hui, Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aujourd'hui, libère ta vie de toutes ces forces négatives. Le pouvoir, la puissance et la force du Dieu vivant compris. Dieu se lève de son trône aujourd'hui en ces jours pour venir te libérer de la captivité. Et se lève aujourd'hui de son trône pour venir te guérir de cette maladie incurable depuis qui ne fait que fatiguer ta vie. Longtemps, tu vas dans les hôpitaux, tu vas partout, mais tu ne reçois pas de guérison. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ vient ce matin pour te guérir miraculeusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en ces paroles, tu recevras la guérison miraculeuse et la guérison instantanée. Parce que Dieu, ce n'est pas un menteur. La Bible dit, ni le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main puissante et vivante l'accomplit. Frère, il est temps que tu viennes avec moi expérimenter la puissance de délivrance de Jésus, la puissance de guérison, le pouvoir du miracle palpable de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, lui qui est vivant. Fais-moi lui qui est puissant. Lui qui a dit à Élie de l'invoquer et il a envoyé le feu pour consumer les dieux de Baal. Ce Dieu-là, il existe toujours, il est puissant pour changer les tendances de ta vie. Frère, ce qui est négatif devient positif au nom de Jésus. Là où il y a la mort, il apporte la vie parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Là où il y a l'échec, il apporte la ressuscité. Jésus est puissant. Là où les gens sont découragés, il apporte l'espoir. C'est Dieu qui est le plus qui est puissant. Là où tu penses que tu ne peux pas, tout échec, Jésus apporte le succès au nom de Jésus-Christ. La même chose, celui qui place sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus, ne sera jamais déçu. Place ta confiance qu'il y a Dieu, ne te livre pas à d'autres pratiques. Dieu ne va jamais te laisser. Ouais. Tu peux prendre des jeûnes et des prières à l'honneur et la gloire de l'Éternel. Il va répondre à tes requêtes. Car il est puissant et change les tendances. Frère, Jésus-Christ est roi. Il est puissant, il est Seigneur. Il est vivant. Ouais. C'est le Dieu qui te prend dans Jovan pour t'envoyer pour te rendre poisson à la braise. Il te prend des poissons magnes pour te rendre à poisson à la braise. Pour que les gens courent derrière toi, il est puissant. Et puis quand lui vient là, dans ta vie, là, son Esprit Saint, d'abord te délivre. Restaure ton âme. Te donne la force. Il te maturise d'abord avant de te mettre dans sa gloire. Et quand tu es maturisé, la colère n'est plus ton partage. Quand il te maturise, la colère n'est plus ton partage. Quand il te maturise, frère, écoute-moi, l'égoïsme n'est plus ton partage. Quand il te maturise, le mensonge n'est plus ton partage. Quand il te maturise, l'éternel, l'inceste n'est plus ton partage. Quand il te maturise, la fornication n'est plus ta vie, frère. Il est temps que tu te ressaisisses et que tu viennes à ce Dieu puissant. Longtemps tu traînes, ça m'énerve, frère. Tu souffres, tu as mal dans ton cœur. Il n'a personne pour t'aider. Il n'y a que lui seul seulement qui peut te consoler. Il n'y a que lui seul seulement qui peut te réconforter. Et donne la joie de vivre. Et cette joie, elle est éternelle, frère. Ressaisis-toi et donne à Jésus-Christ réellement. Nul n'est pas fait. Mais quand tu t'accroches à la robe de Jésus, tu es heureux, frère. Ouais. Dieu est puissant.